Encore une fois, salut à tous pour l'autre vidéo que nous portons pour même journée, jeudi à la. Et nous allons montrer nous comment nous faisons une facture, et ça nous connaît déjà, et nous avons ça plusieurs fois avec nous. Mais ce que nous allons voir, c'est comment, et avec une facture, surtout pour les artisans, et nous avons fait un travail pour nous accompagner, nous avons un abonnement avec compagnie. Comment nous allons faire pour nous capables de créer plusieurs travails pour même compagnie, ça, mais. Et dans des endroits différents. C'est-à-dire que, par exemple, dans moi, nous gagnons 6 travaux que pour nous faire et pour compagnie. Hein? Et chaque travaux sera fait dans des endroits différents. Comment nous faisons? Par exemple, nous prenons une compagnie que nous travaillons pour lui déjà. Par exemple, nous avons fait facture. Facture, c'est-à-dire à crédit, parce qu'il faut payer. Et nous allons faire facture cash. Nous avons pas entré, par exemple, ABC, qui est plus facile pour nous-mêmes. On a fait une facture dans la date jeudi qui est 8 août. Et puis nous commençons, par exemple, nous faisons peinture pour les factures, nous faisons peinture, nous mettons 24 mètres carrés à 100 euros, et on prend du manon 2400. Et puis nous faisons finition des travaux pour les, et puis nous mettons encore 50 mètres carrés. Et à 100 euros, ça fait nous 5000. Donc, total là, nous avons 7400 que nous joignons en bas là. OK? Et ça qui passe, qu'on est là. Ça qui passe, c'est que maintenant, et imaginons maintenant qu'on est là, nous avons l'autre travaux là pour nous faire. Songez à des salles, même si c'est 107 ou 207e. Et nous avons un abonnement avec lui, dit qu'on est là, il parle voyer nous. Et à faire des travaux pour lui-même dans l'autre caille. Nous faisons la première facture ça. Et puis, nous allons faire des travaux dans l'autre caille, par exemple, qui se trouve à Dikine. Nous allons dans la liste customer. Et puis, nous allons ABC dans la première là. Et puis, nous faisons un clic droit sur lui. Nous disons qu'on est là. Nous allons faire créer job, add job. Nous faisons add job. Et puis, nous avons un nom compagnie toujours là, mais le job que nous allons faire là, il se trouve à Dikine. Dikine. Nous marquons Dikine. Et puis nous faisons OK. Là, nous regardons, nous voyons que Dikine est en balle, mais le job que nous allons faire là, il se trouve à Dikine. Ça qui passe, qu'on est là, et nous marquons le nom côté de faire job là, et puis nous faisons un clic droit, et puis nous disons la prière facture pour lui-même, parce que nous faisons le travail là. Et puis, non, Dikine, nous avons fait peinture. Et cette fois, peinture là lui-même, il était banon, nous avons fait la 10, et puis nous avons fait finition, et pour lui, nous faisons toujours à 10. Ça, c'est l'autre facture, nous faisons même le banon, OK. Et là, nous regardons, nous voyons que, bien que pour le travail que nous faisons pour Dikine, nous avons une facture bien déterminée, pas une qui a englobé toute facture que nous faisons pour lui-même, mais une facture Dikine exactement. Il peut le voir nous maintenant, à faire un travail matissant. Et qu'on est là, non. Toujours cliquer dans ABC Compagnie, nous faisons clic droit, nous faisons Add Job. OK? Et puis, quand il y a un lettre dans le nom que nous avons fait là, nous mettons le matissant. Et puis, quand il y a là, nous faisons OK. Et puis, quand il y a nous faisons dans le matissant, travail, nous faisons dans le matissant, nous faisons Create Invoice, nous faisons le travail là, pour lui. Et puis, quand il y a nous faisons par exemple, toujours peinture. Et puis, nous faisons, par exemple, 40 mètres carrés et à 100 euros toujours. Et puis, finition, nous faisons 30 mètres carrés de finition. Et puis, nous faisons 7000, nous fermons la facture là. OK? Ça vient de passer qu'on y a là. Et ça fait un total que nous gagnons pour abaisser de 19000, de ça que nous avons fait avant. Et puis, qu'on y a là avec deux factures ça. Mais qu'on y a là, et ça nous va le faire. Nous gagnons le droit. Et si nous voulons sortir, par exemple, toute transaction que nous faisons pour lui, dans moi, ça là, la prend contrôle pour nous regarder la transaction, c'est une voice que nous devons faire, et puis nous dit, facture qui est faite, non, moi, ça là, non, ici, là, nous faisons 10 mois, et puis nous voyons que, par exemple, Libano, ça là. Ça, c'est facture que nous faisons dans ça là, dans ABC. Pour le Libano, que toute facture ça. Et supposons que maintenant, et que nous voulons ouais, toute facture, par exemple, les factures que nous avons faites, bah, ça, c'est Kibano dans tout mois d'août là. Nous voulons, par exemple, sortir facture que nous avons faites avant pour lui.
Quand on nous dit que nous parlons Bali, et nous relevé un statement. En anglais, nous dit statement. Nous, en français, nous dit nous relevé et puis nous allons dans ABC Company. Nous descendons et cuisons nous et puis nous choisissons create statement. Dans create statement, nous ça nous parle dit nous choisissons à 40 recevables, c'est l'argent que nous allons recevoir. Et puis nous choisissons date que nous devons sortir et statement là relevé. Nous choisissons date que la relevé à partir de fin mois qui sort passé là, fin mois de juillet. Nous choisissons mois de juillet. Et puis, nous, tandis que statement là, relevé a de commencer du 1er, par exemple, statement période là, il sortit du 1er juillet, ok? Nous pas besoin qu'il ait fait facture, mais la banne toute facture que nous avons fait mois passé. Et puis, pour aboutir jusqu'au, et toujours dans le mois de juillet, au 31 juillet. Ok, nous, pour qui compagnie, nous ne prenons pas toute compagnie que nous devons, nous prenons seulement un customer, une compagnie, un client. Et puis, nous faisons preview pour nous voir vraiment qui ça le ballon. Ça qui passe, nous voyons que nous faisons un zoom sur lui, Libano, au 30 juin 2021, client pas de noyer, donc balance à zéro. Et puis, le 30 juillet, nous avons fait une facture pour lui à tel numéro, à telle date de 400, et puis la date de 100, et valeur totale de gains pour le PNO est de 875. Ok? Là, on est là, si nous voulons, comme nous toujours disons, il y a des modèles de facture, si nous voulons changer les modèles là, nous sommes capables de changer au sein de comment nous sommes capables de customiser les modèles de facture, nous n'avons pas besoin de retourner dans ça encore. Si nous voulons, printer, nous allons printer, c'est-à-dire imprimer. Si nous voulons voir par email, nous sommes capables de voir par email. Il y a une chose qui est très difficile pour nous faire, c'est enregistrer sur ordinateur par nous. Mais nous avons une tactique que nous sommes capables de faire pour nous enregistrer. Et nous allons faire print. Et puis, si comme tout imprimant, nous avons un facteur de PDF là-dedans. Ou dire, ou bien on a choisi, ou dire imprimer en PDF pour vous-même, et puis on a choisi dans imprimer PDF là, et puis numéro là, imprimer en PDF, et à partir de PDF là, on est capable d'enregistrer sur ordinateur. Bon, on n'a pas besoin de chercher dans ça, mais c'est une façon pour être capable d'enregistrer sur ordinateur pour, au lieu que, par exemple, on imprime les, ça veut dire qu'on obtient un relevé. Si toutefois, par exemple, on a un relevé, à partir de fin mois d'août, alors fini, on y a là, cap basé sur 2 mois, et si on a copié, ou y a par exemple, prendre pour le barreau à la fin du mois d'août. Ok? À la fin du mois d'août, ou prendre le cap commencé le 1er juillet, et cap fini, non, à la fin du mois d'août. Et puis, on fait preview, ouais, que toute facture que nous avons fait, dans le mois d'août, là, on prend toute une sortie la donne. Donc, au total, général est venu à 19 900 $ US. Donc, c'est ça que nous voyons que l'été doué nous. Voilà, nous avons dit que nous pas trop long. Donc, ça a montré nous comment nous sommes capables de faire des travaux et un petit peu plus pour une compagnie, mais avec plusieurs endroits différents. Et surtout, pas oublier like la vidéo. Et puis, abonnez-vous pour vous abonner pour être capable de recevoir beaucoup plus de vidéos encore.